Une rencontre intitulée Tata Oupo s'est déroulée à la mairie de Punaouia, un événement rassemblant plusieurs élèves de primaire afin d'évaluer leur capacité à vite calculer. Aujourd'hui, nous sommes là pour la troisième année consécutive de la finale du concours calcul mental des écoles de Punaouia, primaire de Punaouia. Alors, au niveau du programme, depuis midi et demi, donc, faut dire qu'il y a 200 élèves, hein, en tout et pour tout, de nos 8 établissements scolaires, hein, représentant donc les classes CE1, CE2, CM1, CM2. Et là, ce sont des questions, hein, purement calcul mental surtout, hein, par rapport aux connaissances et aux capacités intellectuelles de nos enfants de ces classes-là. L'objectif de ce concours, c'est de réunir donc tous nos élèves donc de ces classes, hein, pour justement voir leur capacité, hein, intellectuelle au niveau des calculs mentaux. Oui, et puis ce concours, cette finale de concours de calcul mental se déroule pratiquement dans toutes les écoles primaires de la Polynésie, même dans les îles, à savoir les îles Marquises, les Tuamotu, les Australes et les îles Soulevant. Chaque établissement scolaire donc est mis en relation avec la Polynésie. La télé, hein, Polynésie Première, parce que c'est en direct, c'est une émission en direct. Quelques parents étaient sur les lieux et se sont eux aussi pris au jeu. Un concours qui est très bien pour nos enfants, ça permet de voir leur niveau et leur capacité de calculer rapidement, parce que de nos jours il en faut. Et ça permet aussi de voir le début des épreuves pour les préparer au collège, la concentration surtout. Toutes les révisions ont été préparées par la maîtresse en classe. Moi, je révise avec mon enfant les tables de multiplication, les opérations courantes, mais sinon je laisse le métier aux enseignants. Il faut absolument y participer, travailler les enfants à ce niveau-là, que ce soit en maths ou dans d'autres matières, pour qu'ils puissent faire leur chemin dans l'avenir. J'ai une fille qui est assez stressée, mais elle a été préparée par sa maîtresse et soutenue par les parents et son frère. Le calcul mental n'a à présent plus de secret pour nos enfants. C'était Manoah sur les ondes de HIT-FM. Au niveau de la commune de Punaouia, hein, le maire Tavana Simplicio et les élus du conseil municipal, nous souhaitons, nous encourageons ce type d'action parce que cela y va de nos enfants, des élèves qui sont la relève de la commune, hein, dans le futur.